Salutations amis fans du Démon Cornu et bienvenue dans cette nouvelle émission unboxing dédiée à un produit. Ma foi, estampillé Hellboy Universe. Donc on va essayer de faire super méga giga court. Donc le carton, le voici, petit carton, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? On va faire comme si vous n'aviez pas vu l'intro de la vidéo. Et voilà mon couteau. Donc je vais ouvrir ce paquet, ma foi, reçu ce matin des États-Unis, d'un produit commandé il y a un petit peu moins de 2 semaines et ayant été produit dans le cadre des 20 ans du Démon Cornu, donc le Hellboy Day. Force, je pense que vous avez fini par retenir ce terme. Qu'est-ce que je disais? Oui, Hellboy Day, 20 ans, produit limité, estampillé Hellboy par Fezorama. Le fabricant de fez à qui je dois mes deux fez, les deux seules fez que je possède en mon sein, en mon encre, en ma cave. Donc le Mignola fez sorti il y a 3 ans et qui était limité, je sais même plus combien d'exemplaires, je crois 50 si j'ai pas de bêtises. Et le Hellboy in Hell fez limité, lui je crois quelque chose comme 150 exemplaires et qui est sorti l'année dernière. Donc là c'est leur troisième fez, donc je viens d'ouvrir le paquet. À l'intérieur nous avons la facture que je vais ma foi mettre de côté. Et nous avons... Waouh, qu'est-ce que c'est beau! Le précieux Graal, donc limité à... 20 exemplaires dans le monde, 20 ans, 20 exemplaires, jusque là, il n'y a pas de souci, c'est normal, et 20 exemplaires dans le monde, donc oui, Fezorama, et voilà, parce qu'il y avait ça à l'intérieur du carton, et je vérifiais que je n'avais rien oublié. Donc, en sus du Fez, vous avez deux dessous de verre, je pense, à force de leur acheter des Fez, donc c'est mon troisième, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, bah, je vais en avoir 150, puisque, ils sont là d'ailleurs en plus. Hop, en plus j'ai eu la super bonne idée, la riche idée de les... de les reclasser au même endroit. Donc voilà, en seulement 3 fezes. Donc ça, c'était en 2 fezes. Et plus le troisième, donc il y en a 2, voilà. Bon, bah, s'il y en a qui veulent des dessous de verre, Fezorama qui me le disent, que je suis même pas sûr d'avoir assez de verre pour poser tous mes dessous de verre en dessous de mes verres. Wesh, t'as compris, verre, dessous de verre, enfin, bon, bref. Et ce qui nous intéresse donc ici, le fez, voilà, donc sous plastique, ma foi, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est joli. Donc, je vais retirer le plastique qui s'avère être en fait un sac plastique. Même pas capable de produire des plastiques adaptés à leur fez. Faut qu'ils récupèrent les sacs plastiques, mais quelle honte. Et voici donc le précieux Graal. Waouh, qu'est-ce que c'est beau. Donc voilà, le fez, 2 fez Orama, 3ème fez officiel Mignolaverse. Le premier, c'était donc le Mignola fez, qui était plus une sorte d'hommage, clin d'œil à la série, pour moi, hein, c'est purement subjectif ce que je dis, à la série The Amazing Screwhead, que un fez basé sur l'imaginaire de Mignola, même si à contre-coup on peut aussi le voir comme ça. Mais bon, et le Hellboy in Hell fez sorti l'année dernière, donc voici le troisième fez, Fezorama, donc qui reprend le même graphisme, le même visuel, voilà, on va plutôt le dire comme ça, que le Hellboy in Hell fez. La seule chose qui change, donc pour le coup, c'est la couleur, parce que d'un rouge, vert, caca moino, pas beau, nous passons à un orangé jaune or. Et deuxième truc qui change, donc je vous montre le dessous, voilà, avec le petit logo fez, avec la petite cordelette à l'intérieur qui vient en fait, voilà, servir à maintenir le petit pompon sur le côté, comme c'est joli. Et donc là, donc comme je disais, oui, donc la différence c'est que c'est limité à 20 exemplaires dans le monde, et donc vous avez une petite plaquette sur le dessus avec la numérotation de votre fez. Et donc moi je possède la pièce numéro 17/20. En sachant que donc ce produit est aujourd'hui, donc avec les deux, regardez, les deux petits ventilateurs là pour aérer la tête, si jamais vous transpirez des cheveux, c'est plutôt cool. Donc aujourd'hui c'est épuisé, il n'y en a plus, ma foi, 20 exemplaires forcément, ça s'écoule très très rapidement. Et date de sortie, le 22 mars 2014, date anniversaire du Hellboyverse. Donc j'en profite, je vais vous embarquer avec moi et je vais vous montrer, voilà, histoire de terminer ma foi en mode bien, t'as vu. Et bien je vais vous montrer les fezes. Donc voici les deux premiers fezes. Donc histoire de faire les choses en bien, je vais retirer celui-là. Je vais mettre celui-là à la place. Regardez-moi ça comme c'est beau, ouh là là. Et par-dessus, forcément, quitte à faire quelque chose de symétrique. Voilà, autant avoir quelque chose qui ressemble à quelque chose. Donc, le Mignola fez en haut, le Hellboy in Hell fez,
et le Hellboy 20 Years of Hellboy Fez. Regardez comme c'est joli. Donc un gros big up à Fezorama pour ces trois magnifiques Fez. Et puis bon, bah, j'ai plus qu'à me payer des vacances à Djerba en Tunisie, histoire de bien faire péter la classe vintage. Allez, je rends l'antenne, salut, ciao!